16, 3 to 5. Verse 3 to 5. Yeah, do it in English and Latin first. Thank you. If you're ready, you will listen. One of the oldest paths.
Et le mieux attesté que nous avons au sujet de Jésus-Christ. And the most attested that we have in concerning Jesus Christ. C'est son ensevelissement dans le tombeau. It is buried in the tomb. C'est-à-dire, ils sont sûrs, c'était marqué historiquement qu'il était mort et on l'ensevelit. And it means they're sure it's been marked historically that he died and he's been buried. Alléluia. Amen. Alors quelqu'un aussi dit, ça c'est la mort. Someone also says, a German. Et quelqu'un très sceptique par rapport au Nouveau Testament. Someone who is very skeptical about the New Testament. Et historiquement, on peut être certain qu'après la mort de Jésus-Christ, Pierre et les disciples ont vécu des expériences où Jésus s'est manifesté à eux comme le Christ ressuscité. We can be sure that Peter and the other apostles have lived some experiences after Jesus Christ has risen. Alors ce que je veux faire dans quelques minutes. So what I want to do in a few minutes. C'est de parler d'abord des faits de la résurrection. Si je veux temps ou même survoler ça. Is to speak of the fact of the resurrection if I have time or even go over it. Vous vous rappelez, on en a parlé comme sous cette arrivée qui est arrivée avec Luc, avec Nicodème et avec sans mesure de l'eau et la vera qui ont récupéré, compris, demandé à Pilate de prendre le corps. Ils ont eu la permission de prendre le corps de Jésus et l'ensevelir, le mettre dans un caveau taillé, nouveau caveau que Joseph d'Arimathée avait prié, qui était près du lieu où on l'avait enseigné. We have spoken of the fact that Joseph of Arimathée went to ask to Pilate the body of Jesus Christ and he buried him in that place et that he paid for. Et nous en avons parlé longuement. And we've spoken about it at length. Où les femmes le matin, c'est-à-dire le jour du premier jour de la semaine, après le sabbat, elles sont arrivées, Marie de Magdala, Marie de Jacques, et les autres femmes qui ont suivi à la tombe. On va aller au-dessus de ça. Ça, c'était les fêtes de la résurrection. Mais nous avons parlé de quelques preuves, je vais te donner deux preuves. We're going to speak of two typical proofs of resurrection. Speaking of how the women, after the resurrection Sunday, the Mary Magdalene of a woman who went to the tomb to take care. Yes. Voir les implications. And we're going to see the implications. Et peut-être notre responsabilité envers le Christ ressuscité. And maybe our responsibility towards risen Christ. Alléluia. Amen. Parmi les preuves sur le plan biblique. Among the proofs on the biblical level. Des éléments objectifs. Objective elements. Je prends le cas de Jacques. I'm taking the case of James. Dans la Bible. In the Bible. Il y avait quatre personnes qui s'appelaient Jacques, Nouveau Testament. There were four people by the name of James. Dans les Jacques, le frère de Jean, fils de Zébédée. There was James, the brother of John, son of Zébédée. Il y avait Jacques, le fils d'Alphée. There was James, the son of Alphée. Il y avait le frère Jude. Who had as a brother Jude. Et il y avait Jacques aussi, le père de Judas. Pas Judas Iscariot, mais le nom Judas de la Bible. And there was James also, the father of Judas, not Jesus Iscariot. Et Jacques, le demi-frère de Jésus. And James, the half-brother of Jesus Christ. Ce Jacques, la demi-frère de Jésus. This James, half-brother of Jesus. Que Marie a eu avec son mari Joseph. That Mary had with her husband Joseph. Ce Jacques-là. This James. Il était, un des leaders influents de l'église primitive. Who was one of the influential leaders of the primitive church. C'est lui qui a écrit l'épître de Jacques. He's the one who wrote the epistle of James. Ce Jacques-là. This James. Mais pour peut-être plusieurs raisons. For several reasons. Ne croyait pas en Jésus-Christ. Did not believe in Jesus Christ. En fait, sa famille ne croyait même pas en lui. Actually, his family did not even believe in him. La Bible dit dans Jacques, chapitre 7, verset 5, que ses frères ne croyaient pas en lui. The Bible says in James, chapter 5, verse 7, that his brothers didn't even believe in him. En tout ce qu'il faisait. In everything that he did. À un certain moment, la Bible lui a dit même d'arrêter de parler pour qu'il parle des gens. Jésus, bien plus le même qui était autour de la maison de Jésus-Christ. Ses parents nous sont venus dire pourquoi chercher à l'empêcher de parler aux gens. At a certain point, they even told him to stop speaking to people. And some people came towards the house and his parents told him to stop speaking to the people. Alors celui-là, so him, on va voir que c'est seulement plusieurs semaines. Après la mort de Jésus-Christ. If we're going to see that it's only 7 weeks after the death of Jesus Christ qu'il a cru en Jésus. That he believed in Jesus. Et on voit dans le livre des Actes. And we see in the book of Acts. Qu'il était parmi ceux qui attendaient le Saint-Esprit en prière. That he was among those who were awaiting the Holy Spirit in prayer. Et on a vu comment sa foi a été marquée, a marqué l'Église primitive. And we've seen how his faith marked the primitive. Au point que l'apôtre Paul même pouvait le lancer pour
dit Jacques est un colon de l'Église. To the point that Paul was able even to call him as the pillar of the church. Mais comment quelqu'un, but how someone qui a vu son frère, who's seen his brother, depuis 12 ans Jésus a commencé à faire des espoirs. For 20 years, il a commencé à étonner les gens. For 20 years, he started making miracles. Since the age of 12, he started making miracles. Jusqu'à ce point. For 3 years. C'est-à-dire pendant à peu près 20 ans. Until he was 23, it means for about 20 years. Même dans les années années. Even in the last years, il n'a pas cru en lui. He did not believe in him. Comment quelqu'un comme ça? How someone like that? Parce que écoutez, elle est là, c'est compliqué. Mais il est dans la maison. Because listen, it's complicated because he's in your own house. Et c'est effectivement la Bible vous fait de bonnes nouvelles de sa propre famille. And truly, the Bible says that a prophet is not out of his own family. Il n'a pas cru en Jésus. He did not believe in Jesus. Mais comment quelqu'un comme ça? But how someone like that? Peut après des semaines. Can after weeks. Après la mort de Jésus. After the death of Jesus. Prêt à s'engager au point de donner sa vie, être prêt à mourir pour la cause de Jésus-Christ. Be ready to commit to the point of dying for the cause of Jesus. Quelque chose a dû se passer. Something happened. Quelque chose a dû se passer. Mais n'était convaincu par Jésus-Christ ressuscité. But he was convinced by the resurrected Jesus. Voilà pourquoi l'apôtre dit, il est apparu à des ou à ses apôtres, il est apparu à chaque. This is why the apostle says he appeared to his disciples and he appeared to James. Frère, dans la foi chrétienne, brethren, in Christian faith, quand tu es ta famille biologique, when you have a biological family, c'est pas évident qu'ils croient en Jésus-Christ. It's not obvious that they believe in Jesus Christ. Il faut qu'ils aient vu l'authenticité de ton engagement. La deuxième personne est l'apôtre Paul. The second person is l'apôtre Paul. Voilà quelqu'un, c'est un pharisien zélé. He is someone who is zealous. Il est chaud. He did. Avec un intellectuel. At the same time, intellectual. C'est-à-dire qu'il comprenait les circonstances, il était conscient de l'acte qu'il posait. It means he understood the circumstances, he was conscious of the action that he posait. Au point de tuer des femmes, emprisonner les chrétiens, il persécutait l'église de Dieu. Croyant qu'il servait Dieu. Believing that he was serving God. C'était suffisant pour lui. That was sufficient for him. Comment quelqu'un comme ça? How someone like that? A pu changer. Was able to change. Au point de prendre la cause de Christ. To the point of taking the cause of Christ. Et puis prêcher l'évangile dans toute la région, c'est-à-dire dans tout l'empire romain. And preach the gospel in the entire region. Dans un environnement hostile. Empire in an hostile environment. What was happening in the life of this man? Au point même de être prêt à mourir pour Jésus-Christ de Nazareth. To the point of being ready to die even for Jesus Christ of Nazareth. Quelque chose se passe. Something happened. Lui-même le dit. He himself says it. C'est-à-dire, il a rencontré Jésus-Christ ressuscité. He met risen Jesus. Est-ce que vous comprenez? Do you understand? Il a dû avoir la preuve de la résurrection de Jésus-Christ. He must have the proof of the resurrection of Jesus Christ. En effet, la Bible le dit. Actually, the Bible says. Mais c'est qui me plaît dans la chose? But what I like in that. C'est quand on l'a fait comparer devant lui par le roi.
intellectual. Donc devant les gens. So in front of these people. Oh, Agrippa. He said, oh, King Agrippa. À un certain moment. At a certain moment. Il dit, j'étais en chemin pour Damas. I was on my way to Damascus. Jamais tué les chrétiens. I was ready to kill or make Christians kill. Quand au milieu du jour. When son âme qui lui
lui a peur de la mort. No human being without being seen, his soul is afraid of death. Mais quand tu es né de nouveau, but when you're born again, you are not afraid of death. Non, la seule chose que tu peux te faire, c'est est-ce que tu es dans la santé. Yes. The only thing that can scare you is a mind sanctification. Tu peux pas quitter la terre dans la sanctification. You only want to live earth in sanctification. Exactement. Absent du corps. Because you know that absent of your body. Dans la présence de Jésus-Christ. You are in the presence of Jesus Christ of Nazareth. Sa résurrection encore. His resurrection also. Montre qu'il tient ses promesses. Shows that he keeps his promises. Amen. Il tient ses promesses. He keeps his promises. Il s'est promis de Jésus-Christ. Il dit je vais mourir, mais je vais ressusciter. In his promise, he said, I'm going to die, but I will be resurrected. Ressuscité. Risen. Ça veut dire Dieu tient ses promesses. It means that God keeps his promise. Mais quel que soit le tout dans lequel tu es captif. It means no matter the wall in which you are captive. Je ne sais pas si c'est tout des maladies.
Thank you.
position auprès de lui-même. The Bible says it's for you and he died. Ça veut dire quoi? Qu'il est ton avocat. Ma montée de lui. Pourquoi tu as fait ça là? Pourquoi tu as fait ça là? Et puis c'est même pire encore dans le boss. Oui, mais je l'ai juste bouqué. Thank you.
This is why the word that comes out of
le Seigneur peut me restaurer. Oh, the Lord is restoring. Parce que merci. Because I am healed. Je suis guéri. I am healed. Et puis, il souhaite pour moi que je constate tous les gars de l'histoire. Oh, he prays that I will prosper in all things that I do now as my soul prospers. Je te donne d'ici à la fin de la semaine. I'm healing you now to the end of the week. On ne parlera plus de maladie. God has spoken, so you have to be speaking. I think I'm going to stop here. Et après, but there's so many things to say. La résurrection te donne efficace au ministère. Si tu crois, tu vas plus. The resurrection means you to be efficient in the ministry. If you believe and you go to fast. Qui a ressuscité le grand berger des frères. The Bible says, the God is that are resurrected, the great sheep, dans shepherd of the sheep, from the dead, le Seigneur Jésus, the Lord Jesus, par le sang d'une alliance éternelle, by the blood of an eternal covenant, il vous donnera d'être capable de renouveler la présence. He will give you to be all good things in the accomplishment of his word. Il crée en vous ce qui lui est agréable en Jésus-Christ, qu'il soit la gloire. What is present to him in Jesus Christ will give me the glory. It means that it's possible. That's the answer. Faut même pas l'enterrer.
now. Don't even bury him. You're the one who's going to have a problem. Don't trust you. He's giving you 3 days. Si je suis mort. So if I'm dead, pas de problème. There's no problem. C'est Jésus qui vous gère les choses. It's Jesus Christ who manages everything. Donc quand il dit passe ici. So when he says go here, passe ici. I go here. Quand il dit when he says I need you, je suis présent. I'm present. Quand il donne ton temps. When he says give me your time, je lui dis comme c'est toi qui le chef. I say okay, since you're the one who's the boss, take it. Parce que chez lui il y a pas de premier. Because with him there's no first time. Il est dans non ça veut dire moi quelqu'un m'a demandé. Oh, there's someone who has. Ça veut dire quoi? What does it mean? Il est dans ta vie. Is in your life. Et puis tu es premier dans ta vie, puis aussi le premier de Jésus. And you first in your life is also first. Tu es premier, mais moi aussi je suis premier. C'est la décision. Jesus, you first and I'm also first. On need a decision. On doit collaborer. We need to collaborate. Faut me comprendre. You need to understand. Il veut pas. No, he doesn't want that. Il n'aime pas quand sa place à quelqu'un qui compète sa place. He doesn't like when there's someone who competes with his post. Il dit c'est moi, il doit s'en. It's his mind and will that has to be applied. Il dit non, faut comprendre. On est dans le monde top. C'est pas ça, c'est Dieu. You see, no, you know what you have to understand. It's hard. You yourself you understand. Il dit je comprends pas. He said no, I don't understand. Tu te souviens pas tous les gens à qui je veux me suivre. Qu'est-ce que je leur ai répondu? You don't remember all the people that I asked to follow me. What did I answer them? Tous sont donné des raisons légitimes. They all gave legitimate answers. Mais je dis quoi? Reasons. Ils sont pas dignes de me suivre. But Jesus said what? They don't want you to follow me. Donc je suis dans ta vie là. So when I'm in your life, tu dois t'asseoir. You need to sit. Et puis aie confiance en moi en te disant sur la terre. And trust that. Allez, vous